franchement, je m'attendais à ce que l'ambiance soit quand même beaucoup plus cool que ça, quoi. J'ai jeté un coup d'œil en bas dans la pente et j'ai l'impression que c'est mille fois plus raide que les autres années. Voilà, je suis tendu, quoi, franchement. On est en 2020, c'est les 25 ans de l'extrême de Verbier depuis la première édition en 1996. On a décidé de réunir 25 personnes, 25 bougies, qui ont eu un rôle particulier dans la création de la légende autour du Bec des Rosses. Pour fêter les 25 ans de l'extrême de Verbier, le but était de réaliser une photo, longue exposition, de nuit, avec 25 lumières, 25 bougies disposées sur toute l'arête du Bec des Rosses, et un skieur ou un snowboarder lumineux qui descend la face et laisse sa trace. Quand j'ai réalisé qu'il y avait autant de personnes que de lumières qu'on devait placer sur l'arête, ça a été assez impressionnant, le monde qu'il y avait à gérer. Donc, petit meeting au resto des Gentianes. Ils nous ont bien expliqué ce qu'il fallait faire. Donc théoriquement, ça va aller vite. Pratiquement, il y a beaucoup de problèmes techniques qui peuvent arriver. On a des lampes en rab. Checker, vérifier que ça fonctionne et enlever la prise avant de monter. Ils devront derrière. On les utilise pas pour monter. Hein. Ouais, s'il vous plaît. Une image qui me reste, c'est mes deux garçons, Victor et Thibault, qui suivent Claude Alain pour aller se placer dans la pénombre. Et puis la bonne humeur aussi avec Elisabeth Gerritsen, Yann Rosis, Géraldine et Xav, quand on montait au crépuscule et que Yann disait... Que je devrais pas aller boire des bières au pub, mais que je devrais filmer à la place, tous les soirs. Nous, on ferme la marche et on va aller prendre notre poste tranquillement sur l'arête. Mais on va pas monter trop vite parce qu'autrement on va se cailler là-haut sur l'arête, il y a trop de vent. Prenez un ski, un bâton de ski, n'importe quoi. Branchez ça sur quelque chose de fixe, parce que si je vous demande de rester comme ça debout pendant peut-être une demi-heure, ça va être l'enfer. On va pas voir grand-chose. En plus, le vent nous ramène la neige dans la figure, donc on va aller tranquille. Je suis arrivé tard sur le projet. J'avais pas vraiment envisagé la complexité du truc. Et la photo de nuit, c'est pas ma spécialité. Et même la photo de paysage, c'est pas ma spécialité. L'idéal, ça aurait été de pouvoir faire beaucoup de tests. Le problème, c'est qu'entre l'idéal qu'on peut faire en studio et puis la réalité sur le terrain, c'est un peu différent. Il faisait froid, il y avait du vent. Et faire rester une heure des gens dans le vent de nuit, au sommet du Bec des Rosses, à plus de 3000 mètres d'altitude, c'était pas possible. Je sais pas, une demi-heure, j'ai pas notion du temps, mais je pense une demi-heure qu'on attend, mais c'est magnifique, c'est magique. Il y a des étoiles partout, c'est trop beau. Parfait. Bonne. Chaud patate, quoi. Yeah! On regarde Yann, qui a été en premier. Il se débrouille bien, donc... Ouais, ça prend confiance. Donc voilà, on est chaud. Xav. Ah non, mais moi, il m'a fait halluciner, Yann. Parti en virage sauté, tout de suite, comme ça, il s'est jeté dans le noir. J'ai eu trois essais, et sur ces trois essais, il y avait en plus la complexité d'avoir une trace dans la neige, donc il fallait, au-delà que moi, je réussisse, mais aussi que ça se coordonne avec le rider. Et du coup, sur ces trois essais, ben, y en a un qui a marché en fait. Il y en a un qui a bien marché. Les conditions de neige étaient bonnes, mais c'était truffé de cailloux. On voyait 1,50 m, 2 m devant nos pieds. Puis ensuite, c'était le néant, le noir. Je suis content de cette image. Je suis content de cette image et puis elle représente beaucoup de choses pour moi. Ça fait 13 ans maintenant que je travaille sur le freeride World Tour. Donc ouais, j'étais fier de l'affaire et content du résultat. Xavier pour Jérémy. Ouais,
la grande moitié du dogleg. J'ai chopé pas mal de cailloux, hein, tu vas vraiment tranquille. Yes, ça marche, merci pour l'info. La photo représente vraiment ce moment parce qu'on a attendu plus d'une heure immobile sur cette crête. On imaginait les autres qui attendaient aussi dans le vent et dans le froid. Et c'est quelque chose que tu vis jamais. C'est quelque chose de nouveau et c'était irréel en fait. Ça a marché en quelques heures. Il y a tout qui a roulé. Et ça, c'est rare pour un projet de nuit.